Salut TipeurSafan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Custom Ninjago. Aujourd'hui, comme custom, on va faire Overlord. Alors du coup, pour les besoins de ce custom, je vous invite à avoir soit le magazine Ninjago Legacy, Lloyd et Overlord, voilà, donc le dernier sorti. Hein. Allez vite le chercher avant que le nouveau sorte. Voilà, ensuite... Soit ça, soit le dragon d'Overlord. Voilà. Donc du coup, moi je vais vous montrer comment faire Overlord de la saison 3. Pas de la saison 16. Du coup, bah la tête ainsi que ce petit chapeau, ce casque plutôt, bah, ça vient de la figurine de base, donc du dragon d'Overlord ou alors du dernier magazine. Les épaulettes trouvables sur le Samurai X. Samurai X 2 pixels. Saison 8, 9, voilà, torse, bras et mains, figurine de base, et ça je l'ai eu, alors je crois que ça vient d'une série de figurines, moi je l'ai eu dans le shop Lego, là, vous savez, là on peut construire sa propre figurine, j'avais pris ça à l'époque, j'ai un vague souvenir de ça, mais j'avais eu ça, et donc du coup à la base je voulais refaire cette figurine-là, mais j'avais pas spécialement d'éléments, j'avais juste eu l'ancien torse, son vieux torse du coup, mais voilà. Bon. J'ai une mauvaise expérience. Peut-être que je vous la raconterai dans mes anecdotes Lego, parce que j'en ai plein. Mais voilà. Bah, du coup, c'est à peu près tout hein, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et que ça vous aidera pour un mock si vous n'avez pas eu le gros temple de la saison 3. Et voilà. Bah du coup, c'était MC, la chaîne Lego, qui se aura plu. Et qui vous dit bye bye. Le pouvoir d'Aurélien. Juste pour les 2 minutes.